Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, on va s'attaquer au unboxing du Honor Holy. Donc, comme vous le savez, nous sommes pas très copains avec Honor, donc on décide de nous faire souffrir avec plein de boîtes toutes bleues qu'on doit tester, malheureusement, un très gros problème chez nous. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, toujours les mêmes boîtes, hein, pour changer un espèce de bleu ciel, bleu turquoise, Honor en métallisé imprimé, et un Honor qui est donc ici transparent. Ensuite, nous avons donc pas grand chose, hein, juste les protections. J'ai juste enlevé. Et donc là, nous avons Honor Holy. Donc, on n'a pas grand-chose dessus. On a juste, en fait, une petite étiquette qui a été posée qui permet de voir un petit peu la différence par rapport aux autres boîtes de Honor. C'est juste ça. Donc, en plus, on n'a pas grand-chose par rapport aux concurrents. On a juste... voilà, c'est juste que c'est un Honor Holy et qu'il a juste 16 Go de ROM. Et c'est tout. Et donc, on a que ça a passé la quality check le 1er janvier 2015. Donc, il est tout récent, modèle qui a... qui a un mois, quoi, en gros, et donc qui sort d'usine. Donc tout neuf, bien évidemment. Donc si on l'ouvre, on se retrouve alors avec... Qu'est-ce que c'est que ce petit truc-là? Donc là, ça nous explique comment insérer la batterie, donc qui en gros qu'il faut enlever le back cover, insérer la micro SD, insérer les micro SIM. Attention, le téléphone supporte les standards, les SIM standards seulement. Et pour les autres, ça peut endommager le téléphone. Ok, donc pourquoi pas. Ensuite, voilà, donc Honor maintenant est très présent sur Facebook. Hein. D'ailleurs, Alexis qui est sur Facebook est très actif. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, il vous répondra avec un peu de bol dans la journée. Donc n'hésitez pas, vous avez même un QR code hein, intégré. QR code, donc vous pouvez utiliser l'Honor Holy pour justement lire le QR code. Donc c'est des petites boîtes, il commence à avoir des petites attentions comme ça, plutôt sympa. On a le Honor Holy, donc toujours avec maintenant quelque chose de classique, hein, les petits films de protection. Et donc on se retrouve voilà, avec un téléphone. Alors par contre cette fois-ci on n'a pas de film de protection de base, c'est direct, on a direct le téléphone, il n'y a rien pour le protéger. Ça change un peu. Alors là, on se retrouve avec un design très différent de ce qu'on a habituellement chez Honor et chez Huawei en général. On a quelque chose d'un peu plus arrondi qui fait plus penser par exemple à... oh, tiens, un petit Galaxy S3, hein, c'est plus basé là-dessus. Donc ça, on verra ça. Et donc, avec un côté bicolore, noir devant et blanc derrière. Hop, on va enlever. Donc toujours la même présentation, c'est exactement la même chose. Donc là, on se retrouve avec... Je peux reculer un petit peu la caméra. Donc, la carte de garantie. Donc ici... Ici, donc là, on a le... Alors, ils appellent ça le Honor 3C Lite. Donc, qui a été donc renommé Honor Holy officiellement, mais c'est le 3C Lite. Donc, il y a une petite différence. Et on comprendra dans le test pourquoi ils l'appellent Lite. Ici, on a une petite batterie de 2000 mAh. Donc, Li-ion. Donc là, on n'est pas en lipo, on est en Li-ion. 3,8. Donc, voilà, on a quelque chose d'un peu plus petit que le Honor 3C. Hop, on va continuer. Là, on a un petit chargeur. Alors, chargeur noir, cette fois-ci, pour changer. Donc, cette fois-ci, chargeur Huawei. Alors là, c'est un petit peu dommage. On se retrouve avec un chargeur Huawei pour Honor. Ça fait... Voilà. Par contre, ça en fait un peu plus cheap. On a même plus de protection par rapport au Honor 3C normal. On n'a plus de protection du tout. Il n'y a pas de protection. Et ensuite, le micro USB dans un petit sachet plastique qui se referme. Et donc, des plus classiques. Hein. Est-ce qu'on a le sigle Huawei quelque part ou Honor? Non, il n'y a rien du tout. C'est du no-name. Hein. Pas de signe distinctif. Tout est en noir. Donc là, ça marque par contre une vraie différence par rapport, on peut voir, à Honor jusqu'à maintenant, puisqu'ils avaient des chargeurs Honor vraiment très... Voilà, Honor, quoi. Et là, on se retrouve vraiment avec un chargeur Huawei qui fait beaucoup plus cheap. On sent avec un plastique beaucoup moins... de moins bonne qualité. On a même des espèces de traces ici. Donc, on sent qu'on est sur une baisse de qualité, de gamme aussi. Ce qui est plutôt logique, vu qu'il est vendu moins cher. Et donc, une batterie Huawei ici. Donc, maintenant, il ne va plus y avoir qu'à tester ce téléphone et voir ce qu'il vaut. Et donc, on aura une petite réponse d'ici environ 15 jours. Sur ce, à bientôt pour de prochains tests pour AndroGames.fr.